Masson, je suis le directeur du Bocuse d'Or. Donc sur la sélection elle-même, les premiers à être sur place, ce sont bien sûr les équipes techniques qui vont mettre en place tout le marquage au sol, construire chacune des cuisines dans lesquelles les candidats vont travailler, toute l'organisation technique qu'on ne voit pas quand la demanderie roule, mais qui demande un temps considérable. Ils vont aussi mettre en œuvre les tribunes dans lesquelles vont s'installer les spectateurs. Puis ensuite arrivent les équipes audiovisuelles qui vont eux mettre en œuvre toute la partie spectacle. L'équipe d'organisation arrive sur place, commence à progressivement avancer sur le filage de l'événement qui prévoit minute par minute, seconde par seconde, tout ce qui va se passer dans la période amont, pendant et après l'événement. Et une fois que tout est en place sur le plan technique, que l'organisation est sur place, les acteurs arrivent. Les acteurs, ce sont les chefs du comité d'organisation, ce sont bien évidemment les candidats, les membres du jury, et petit à petit tout cet espace s'anime et se met en route. Quand ça commence comme ça, il y a toujours une espèce de tension qui est palpable un petit peu partout dans le comité d'organisation et bien sûr chez nous. C'est le démarrage, c'est imminent. Donc tout le travail qu'on a fait depuis quand même 6 mois, 8 mois est en train de se réaliser. Donc c'est à la fois très excitant et un peu stressant, je dois dire. Les candidats commencent les uns après les autres, toutes les 10 minutes, et ensuite tout s'anime jusqu'à, bien sûr, la première dégustation d'un plat poisson dans un premier temps, d'un plat viande 35 minutes plus tard, et ainsi de suite pour chacun des candidats en lice. Donc il y a une espèce de ballet qui se met en œuvre avec des sorties de plats qui sont toujours très très spectaculaires, qui sont rythmées puisque c'est un spectacle une fois de plus. Et ces plats, ils passent devant le jury bien évidemment, ils passent devant le public, ils passent devant les médias, tout le monde doit les voir. C'est d'abord avec les yeux qu'ils jugent ce plat. Dans un deuxième temps, ils vont noter le plat sur le plan du goût. Mon rôle, en fait, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on a prévu en termes d'organisation se déroule comme le prévoit notre filage. Donc, on écrit le scénario, on écrit le storyboard, on écrit tout ce qui doit se passer sur ce concours, du démarrage du candidat jusqu'à la remise des prix et l'annonce du lauréat.